Et donc, nous sommes une équipe de volontaires de l'endroit, de Point d'Esny. Et puisqu'on a accès à des bateaux, soit nos bateaux personnels, soit des bateaux des amis à nous qui nous prêtent, on est en mesure d'aider les gardes-côtes. Là, par exemple, avec nous aujourd'hui, nous avons des plongeurs du centre de plongée de Dodo, de Calodine, et aussi des plongeurs du centre de plongée d'Eifhofen, de Grand Bay. Donc, ils sont descendus, ils sont venus nous prêter main forte et ils nous aident à placer les booms dans le lagon. Sur l'eau, la plupart des volontaires qui sont en bateau sur l'eau, c'est ce qu'ils font. Ils aident un petit peu à la mise des booms, ils aident aussi au pompage. Donc on a des bateaux qui ont ce qu'on appelle un skimmer, qui permet de collecter que l'huile sur l'eau. Donc certains utilisent leur bateau pour faire ça. Ils mettent les skimmers, les pompes sur leur bateau et ils se déplacent partout où nous on a positionné les booms. Ils se déplacent pour ensuite pouvoir venir pomper tout ce qui est récolté dans les booms. Donc là encore, c'est un travail d'équipe avec la garde-côte. La garde-côte nationale et les volontaires, tout le monde, chacun met un peu du sien et aide d'une façon ou d'une autre. Donc voilà un petit peu le travail que nous on est en train de faire sur l'eau en ce moment.